Vous écoutez Radio Jeunesse des Amériques, un réseau de partage. Vous écoutez Radio Jeunesse des Amériques, un réseau de partage de la culture francophone. Vous écoutez Radio Jeunesse des Amériques, un réseau de partage de la culture francophone. Je m'appelle Ashley Herrick, je viens de Baton Rouge, en Louisiane, des États-Unis. On vit une époque, il y a toujours eu des changements. On n'est pas les premiers à vivre des changements. Mais des changements à l'échelle du monde entier, en même temps, dans les domaines qu'on a évoqués, je crois que c'est la première fois. Il y a de quoi avoir le vertige. On va bientôt ouvrir la discussion à l'auditoire. Donc, vous qui êtes dans la salle, vous avez probablement remarqué certains passages. Il y a des choses qui ont dû vous faire sursauter, vous interpeller ou que vous avez peut-être le goût de questionner. Monsieur Roy est ici pour répondre à vos questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle pour quiconque voudra poser une question. Et j'en profite aussi pour saluer encore une fois les gens qui suivent la discussion, qui ont suivi la conférence sur le web grâce au site du Centre de la francophonie des Amériques. Donc, si vous avez des questions et des commentaires à faire aussi, vous nous les faites parvenir, Facebook et aussi Twitter, et on pourra acheminer les questions aussi à Monsieur Roy. Vous faites signe à Céline, je pense, qui a le micro, c'est ça? Alors, vous pourrez lever la main, faire signe à Lynn. Le temps que vous vous préparez dans vos questions, moi, je voudrais peut-être revenir, non pas sur le contenu de la conférence en tant que telle, mais sur l'expérience que ça a représenté pour vous d'aller parler de la démocratie, de faire votre lecture du monde et la prospection aussi dans l'avenir auprès de ces pays si différents que vous avez rencontrés. Vous êtes allé à Haïti, vous êtes allé en Port-au-Prince, vous étiez au Honduras, au Mexique aussi, au Guatemala, Colombie. Je pense. Colombie. En Colombie. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, d'ailleurs, dernière livraison ici à Québec, vous revenez au pays. À Moncton aussi au début. Au Moncton, oui. D'abord, comment la question de la gouvernance? Moi, je suis plutôt habitué de la voir à travers les problèmes africains, à travers certains pays asiatiques avec lesquels je suis en lien. J'étais moins en lien avec les pays de l'Amérique latine. Comment, je l'ai dit tantôt, si vous êtes en Haïti, c'est une question centrale. Si vous êtes au Honduras, coup d'État militaire, l'armée brésilienne qui vient, on est au cœur du débat. Si vous êtes en Colombie, 70 ans de guerre civile qui est peut-être en train de se résorber. Si vous êtes au Mexique, la question de la paix, la question de l'organisation politique, la question de qui gouverne, dans quelles conditions, dans tous les pays où je suis allé, c'est une question centrale, une question tout à fait déterminante. Donc, j'ai comme renforcé, c'est eu comme une espèce de renforcement de ma conviction que les hommes cherchent des façons de gouverner. Les hommes sont partout préoccupés aussi par la paix. Comment on peut vivre convenablement ensemble? Comment la force ne doit pas être le substitut au droit, il doit y avoir des droits, mais aussi comment on fait le développement économique sans le dissocier du développement social. Tous les Européens parlent de ça en ce moment. En Amérique latine, partout, les gens parlent de ça. Ne pas dissocier le développement économique du développement social et ne pas dissocier le développement économique, le développement social et le développement culturel. Autrement, ça va exploser un peu partout. On le voit, on l'a vu en Europe. Ce qui est remarquable aussi, on a une question ici. Oui, alors, monsieur, puis ensuite, j'aurai une question en lien avec la francophonie. Oui, mon nom est Jules Bois. Monsieur Roy, comment vous estimez l'influence et le résultat de l'État islamique sur le modèle de gouvernance mondiale qui va se placer? D'abord, je vais vous dire une chose. La très grande majorité des adhérents à l'islam vivent dans de grandes démocraties. C'est l'Indonésie, c'est la Malaisie, c'est les 120 millions d'adhérents à l'islam qui vivent aux Indes. C'est un certain nombre d'Africains qui vivent dans une démocratie insuffisante, vous me direz, mais quand même dans des démocraties. Et puis, il y a le désordre autour de quelques pays au Proche-Orient, qui sont l'Irak, qui sont aujourd'hui la Syrie. Ça rejoint un petit peu la Turquie à cause des Kurdes. Et le Yémen est embarqué dans ça, etc. Qu'est-ce qui a provoqué ce désordre? Est-ce que le désordre est venu d'un malaise propre à l'islam? Il y a un malaise propre à l'islam. Il y a dans l'islam un débat entre les tenants du conservatisme presque textuel du Coran et puis ceux qui disent qu'il faut faire une lecture plus actuelle entre le droit découlant du Coran et le droit positif contemporain. Il y a donc une petite frange du monde musulman qui est en bataille entre lui-même, en quelque sorte.
cette bataille, je ne vais pas entrer dans qui est coupable et tout, mais c'est sûr que ce qu'on est allé faire en Irak et en Afghanistan, et surtout en Irak, n'a pas créé la stabilité qu'on avait annoncée. C'est la même chose aujourd'hui en Libye. On n'a pas créé la stabilité, on a créé le plus grand désordre. Est-ce que le désordre actuel est plus grand que Kadhafi? Plusieurs le croient, moi je le crois. Le danger, c'est de rêver à un monde parfait, un monde où tout le monde ressemble à un modèle. Il faut apprendre à aimer ce qui ne nous ressemble pas et à travailler à des formules de convergence de valeurs, mais de penser qu'on peut imposer par le ciel, par les bombes, par la lutte militaire à des populations entières, des changements de mentalité en 3 trimestres ou en 3 années, c'est se raconter une vaste histoire. Aujourd'hui, il y a 200 000 morts en Syrie. Il y a 10 millions de personnes qui sont déplacées en Syrie. Le gouvernement de la Syrie est responsable de ça. Je crois que le non-règlement de la question palestinienne est aussi en partie responsable de ça. Je crois que ce qu'on a fait dans cette région du monde, les Occidentaux, nous sommes en partie responsables de ça. Ça nous apprend aussi une grande leçon. Ceux qui pensent qu'on peut de l'extérieur changer les régimes politiques, pour moi, en tout cas, ils ont encore à me faire la preuve d'un cas où ça a marché. Il faut travailler de l'intérieur. C'est long, c'est compliqué. Mais la question des Noirs aux États-Unis, ça a été long avant de sortir de l'esclavage, avant de passer de l'esclavage à la liberté, de la liberté à l'exercice réel des droits, y compris le droit de vote, le droit de travail, etc. Ce qu'on a vécu dans nos pays, ces longues trajectoires pour arriver à peu près à des situations convenables et encore, peut-être que c'est le même rythme qu'il faut accepter dans d'autres pays. Merci pour votre question, monsieur. Monsieur Roy, ça m'a frappé, vous avez parlé de la francophonie tout à l'heure à plusieurs reprises. Vous avez quand même fait une tournée qui vous a amené parmi les six endroits visités avant d'arriver ici à Québec. Il y avait Tegucigalpa au Honduras, Bogota en Colombie, Mexico City au Mexique, des pays hispanophones. Le Mexique qui vient tout juste d'entrer dans l'Organisation internationale de la francophonie à titre de pays observateur, membre observateur. C'est quand même étonnant de voir que des gens se sont déplacés dans ces pays hispanophones pour aller vous entendre présenter une conférence en français. Alors, la place de la francophonie, la place du français, on la voit se développer. Vous avez évoqué des chiffres tout à l'heure que vous avez peut-être un peu questionnés. Comment voyez-vous ça? Il y a une... Je pense que c'est Denis, tantôt, qui disait, ou on l'a vu affiché dans les images qu'il nous a proposées. Il y a une demande de français pour laquelle l'offre de services, etc., est vraiment très insuffisante. Et parmi les régions du monde où la demande de français est grande, ici on le sait depuis un petit moment, il y a l'Amérique latine. Pourquoi l'Amérique latine? Il n'y a pas une raison, il y a plusieurs raisons. Je crois qu'une des raisons, c'est que les latino-américaines, partie d'entre eux, ont envie d'être liées à l'Europe, mais pas très envie d'être liées à l'Espagne, pour des raisons historiques. Comme nos amis africains n'ont pas envie, si on se parle franchement entre nous, d'être très liés à la France, pour des raisons historiques aussi. Donc, la France intéresse nos amis hispanophones d'Amérique latine. L'Italie les intéresse aussi. L'Espagne aussi, en partie, comme en Afrique, la France intéresse. Mais il y a beaucoup de réserves en même temps. Numéro un. Numéro deux, je dirais, ils sentent une espèce de lien extraordinairement solide, peut-être trop, avec les États-Unis, et ça ne leur déplaît pas d'avoir accès à un autre monde, à un autre imaginaire, à un autre cinéma, à une autre littérature, etc. Il y a aussi la présence réelle de la France dans cette région du monde, des entreprises françaises qui sont là depuis longtemps. Et puis, plus récemment, depuis 25 ans, 30 ans, la présence du Québec au Mexique. Il y a 600 entreprises québécoises qui travaillent au Mexique, qui ont des clients au Mexique. Il y a 23 ententes avec nos universités. C'est un peu triste qu'on ferme à peu près la délégation du Mexique au même moment, mais c'est un autre débat. La présence de la France, le Québec qui est arrivé par la suite, et je dirais, on en a parlé tantôt ensemble, oui, avant je le dirais début. Aussi qu'il y a une espèce de vie intellectuelle que j'ai observée, pas simplement ce voyage-là,
qu'on n'est plus beaucoup, on est très nord-américains, nous, à cet égard. Eux, ils sont très européens. Ils aiment débattre. Je veux dire, une conférence où il y a 400 personnes, le débat, à un moment donné, quand tu es le conférencier, tu es complètement épuisé. Ça fait une heure et demie que ça dure. C'est quelqu'un qui va couper les micros quelque part parce qu'il y a des questions, parce que le débat a pris dans la salle, ouais. Etc., etc. Il y a une espèce de vie intellectuelle, de ouais. curiosité intellectuelle. Très intéressant, votre question, parce que pour le Québec, parmi les choses qu'on n'a pas eu le temps de parler, un des bons effets, peut-être, d'Internet, c'est de donner la clé aux pays qui cherchaient à être en lien avec leur diaspora. Ça facilite évidemment les choses. La vie des diasporas aujourd'hui, et un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, réunit sa diaspora. Le Maroc réunit la diaspora parce que les gens, les Marocains qui vivent à l'étranger, les Ivoiriens, apportent une contribution de l'investissement intellectuel, autrement technique, oui. scientifique, très important. On découvre tout à coup qu'en Amérique latine, ce n'est pas notre diaspora. Tantôt, Denis montrait des images, le centre montrait des images des Québécois qui sont allés un peu partout. On est allé vers le Canada anglais, on est allé vers les États-Unis, mais pas l'Amérique latine. Mm. Mais il y a comme une espèce de diaspora d'affection de leur part quand ils nous connaissent. Ils s'ajoutent à nous aisément, beaucoup plus que moi je le savais. Quand vous dites à nous, francophones du Québec. Nord-américains, mm. le concept de francophonie d'Amérique. D'Amérique, oui. Il s'ajoute à nous avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. C'est sûr que quand quelqu'un se lève et qui dit, est-ce que je peux vous demander une question qui n'a rien à voir avec votre conférence? Tu ne dis pas non, tu dis oui. Il dit, Anne Hébert. Ben, monsieur, quarantaine oui. d'années. Hein? Anne Hébert. J'ai lu Anne Hébert, dit-il, et ça m'a bouleversé. Est-ce que chez vous, on considère que c'est un grand auteur, Anne Hébert? Oui, ouais. bien évidemment. Ouais, ouais, il y a ouais. de ça. Ouais. Il y a d'une connaissance fine, quelquefois. Par exemple, Sol. J'étais très oui. surpris de me faire poser des questions. On m'a demandé, est-ce que Sol est toujours vivant? Ah, oui. C'est fou, hein? Il y a des phénomènes... TV5 aide aussi pour ça. Il ouais. nous voit. Ouais, ouais. TV5, un des grandes réalisations de la francophonie, le signal est capté dans 200 pays, sur toute l'Amérique latine. Mm. Moi, je me lève un matin... au Mexique, qui était 6 heures du matin, je mets ça sur TV5, et puis j'entends toutes sortes d'informations culturelles sur le Québec, une émission que je ne connaissais pas d'ailleurs. Alors, il y a des moyens nouveaux pour mm-hmm. Internet, évidemment. Ah, ben Internet, vous l'avez dit. Et puis il y a le centre. Hein? Le centre a réuni des centaines de jeunes maintenant. Je suis sûr, si on faisait le décompte, on serait surpris de la liste des gens, des jeunes, 18-30 ans, que le centre a amené. Jeunes ambassadeurs, ouais. Parlement des Amériques, université d'été du Centre d'Afrique des Amériques, etc., etc., etc. Il y en a un grand nombre. Oui. Donc, il y a une incidence, un travail important qui est fait par le Centre pour soutenir justement ce fait francophone-là en Amérique, le dans centre, les Amériques. Le Centre, c'est un outil de la diplomatie du 21e siècle. Ah. C'est un outil de la diplomatie du 21e siècle. Vers les plus jeunes générations, utilisons au maximum les réseaux sociaux, utilisons au maximum les technologies, et ça donne des résultats. Ouais, c'est une affaire. Moi, quand j'étais président du Conseil, je disais toujours la même expression. Ce qu'on nous demande est impossible et indispensable. Monsieur, ici, a une question avec le micro. Oui, bonjour, M. Roy. Bonjour. Mon nom est Daniel Allard. Je vous connais, monsieur. Ben, un petit peu, oui. Votre conférence porte sur la démocratie. C'est très important. Je veux vous faire parler de la gouvernance mondiale parce que c'est un enjeu qui n'est pas réglé, qui se complexifie même. Tout ce que je connais dans le sujet, je ne connaissais même pas le club de Shanghai dont vous avez parlé. Bon. L'association de coopération. Si on conclut que les Nations unies sont obsolètes, parce que c'est de ça dont l'humanité est équipée actuellement, et que ça a pris une guerre mondiale pour la faire naître, c'est très important. On n'acceptera pas il faut en convenir de la gouvernance mondiale dont on veut qu'on veut mériter. Et moi, je m'interroge beaucoup sur ce qu'il faudra avoir ou faire ou vivre pour. Vous savez que j'ai écrit un livre pour donner ma solution. Vous avez eu la gentillesse de le préfacer. Je ne connais pas votre opinion sur ça. Est-ce qu'on doit changer l'ONU? C'est très important, la gouvernance mondiale. Et vous avez cité Boutros-Ghali.
y a une quinzaine d'années, il disait que la problématique là-dessus, ce n'était pas la quantité de pays qu'on a sur la boule, c'était le si peu grand nombre de pays qui s'en occupent des problématiques mondiales et de la gouvernance mondiale. Donc, c'est très préoccupant parce qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va nous arriver, la réponse, et j'aimerais ça que vous développiez ça. Merci. Écoute, si j'avais une réponse sûre à cette question-là, je te la donnerais pas, je la vendrais cher. Je prendrais les droits d'auteur sur ça. Mais il y a des choses qu'on peut quand même dire pour partager nos réflexions. Quel progrès quand même. Jamais avant le 20e siècle, on avait un lieu où tous les pays, toutes les communautés humaines étaient rassemblées. On a ce lieu. Il a été créé à partir de situations historiques qui ont complètement évolué. Quand les Nations Unies ont été créées, 72 pays qui en sont membres aujourd'hui étaient des colonies. Elles sont toutes arrivées. Tous ces pays sont arrivés aux Nations Unies en 1958 et 1965, en gros, là, à peu près. Ça change la donne complètement. L'expression « Nations Unies obsolètes », c'est Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, quand il a quitté, il a dit « J'ai cherché à réformer, j'ai réussi des bouts de la réforme, mais la maison en général est obsolète. Il faut la refaire. Il faut la refaire complètement. » On a parlé tantôt du Conseil de sécurité. C'est sûr qu'il faut que l'Inde soit là. L'Inde va avoir 1,5 milliard de personnes dans 20 ans, le plus grand pays du monde avant la Chine. Elle n'est pas au Conseil. Et elle veut être là. Et on lui dit non. Bon. L'Amérique latine n'est pas là. On a parlé de 2 milliards d'Africains. Ils ne sont pas là. Dans l'exécutif réel des Nations Unies. Il y a un grand travail à faire. Est-ce qu'on va réussir à réformer l'institution telle qu'elle est? Elle a des mérites énormes. Elle rassemble tout le monde. J'ai mentionné tantôt que Boutros a mis l'humanité face à la réalité des défis communs. Et c'est ça, les Nations Unies, c'est les défis communs, elle le fait. Mais aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de peine, ce sera une expression trop forte, mais beaucoup de... J'aimerais pouvoir dire le contraire. Il y a deux grands conflits actuellement qui mobilisent l'imaginaire et l'attention du monde. L'Ukraine. Vous n'entendez pas un mot des Nations Unies sur l'Ukraine. L'autre, on m'a posé une question sur tout ce qui se passe au Proche-Orient. Vous n'entendez pas un mot de ça. Ils ne sont pas là. Le Conseil de sécurité n'est pas là. C'est une coalition américaine qui n'a pas la bénédiction des Nations Unies. Et hier au Parlement du Canada et aujourd'hui au Parlement fédéral, il y a un débat qui portait sur cette question. Est-ce qu'on peut aller en guerre, un pays comme le nôtre, qui n'a pas l'aval des Nations Unies? Le Canada a toujours dit non, jusqu'à maintenant. On verra, ils vont voter, là. C'est quand même le premier mandat des Nations Unies, c'est d'assurer la sécurité des êtres humains. Et la sécurité, c'est le premier droit des êtres humains. Il n'y a pas de droit antérieur. S'il n'y a pas de sécurité physique, les autres droits sont de la littérature. Et les Nations Unies ne disent rien face aux grands conflits. Il y a quelque chose d'anormal dans cette situation. L'anormal. Quand il y a 10 millions de réfugiés dans une région du monde, les Nations Unies doivent se mobiliser au maximum. On ne les entend pas. Alors, la gouvernance de demain, comme vous disiez, si vous avez la réponse... On réussit quand même. Il y a des choses qu'on réussit à faire quand même. La crise d'Ebola en Afrique, les gens se sont mobilisés, ils ont à peu près réussi. Comment je vous dirais ça? On a un petit moteur pour un immense camion. Donc, il avance à petite vitesse, sauf que le reste va plus vite. Les Nations Unies, c'est un grand véhicule qui a un petit moteur aujourd'hui, inadapté. Mais il avance. Il n'est pas sur le bord du chemin. On parlait de l'ère numérique, à quel point c'est important. On a un témoignage ici de ça. On a une question qui nous vient cette fois d'un internaute. Oui, tout à fait. Je veux lire un commentaire, premièrement, qui provient de page Facebook, tout simplement, qui nous écoute en direct. Monsieur Alex Gomez, je vous écoute, Honduras, vous faites un travail extraordinaire. Donc, voilà.
Et l'autre message que nous avons reçu provient d'Haïti. Une question de Mme Rose Merlin Sainon. Dans 20 ans, voyez-vous une démocratie renforcée du côté des pays de l'Amérique latine, une démocratie diminuée ou qui ira certainement sur le même rythme? En tout cas, il est sûr que la démocratie en Amérique latine aujourd'hui est beaucoup plus solide qu'il y a 20 ans où il y avait partout des gouvernements militaires, ou presque partout des gouvernements militaires. On s'est débarrassé des gouvernements militaires. L'Amérique latine est plus prospère qu'elle était, même s'il y a encore des zones de pauvreté, de difficulté. La question autochtone en Amérique latine a beaucoup progressé. Il y a des pays maintenant, la Bolivie, dont le chef d'État est autochtone, où on disait il y a 20 ans qu'il n'y avait pas d'autochtones dans ces pays-là. Il y a des minorités, on les appelait des paysans. C'est des minorités de paysans. Aujourd'hui, on parle des autochtones, il y a des partis politiques qui les représentent, il y a des chefs d'État qui sont autochtones, etc. Tout n'est pas réglé. Mais en termes de choisir ceux qui nous gouvernent, c'est ça la démocratie, de la progression vers l'égalité des droits, ce qui s'est passé en Amérique latine est très important dans les 20 prochaines années. Est-ce que ça va se consolider? C'est ça qui est la question. Est-ce que ça va régresser dans les 20 années qui viennent? On ne peut pas répondre à cette question-là. On peut pas, ce serait vraiment faire de la science-fiction absolue. J'imagine que ça va être un peu comme chez nous, un peu comme partout. Il va y avoir des éléments, des droits qui vont progresser, il va en avoir d'autres qui vont régresser. C'est une bataille, les droits. Les droits de l'homme, ce n'est pas les gouvernements qui nous les donnent. Les droits de l'homme ont été définis pour limiter la puissance des gouvernements. Les gouvernements, nulle part au monde, sont favorables aux droits de l'homme. Ils le sont parce que l'opinion publique, parce qu'on ne tolérerait pas qu'ils jouent autrement. Mais d'eux-mêmes, c'est contre eux que les droits de l'homme ont été définis. Limiter la puissance publique. S'assurer que dans les conflits qu'on aura avec la puissance publique, c'est le droit qui va prémunir et pas la puissance. C'est quelque chose. Alors, il va y avoir des droits qui vont régresser, sans doute, des droits qui vont progresser. Mais il faut espérer. Il faut espérer que le mouvement, je ne peux pas utiliser le progrès, mais le mouvement des 20 dernières années ne sera pas ralenti. Merci. Merci, madame. Question dans la salle ici maintenant. Monsieur. Claude Poirier de l'Université Laval. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des langues de communication internationale. Jusqu'à présent, on a le sentiment que c'est l'anglais qui est la première langue du monde. Vous avez parlé de la régression du français en Afrique. Moi, j'ai pu observer qu'au Rwanda et peut-être aussi au Congo, l'anglais prend l'avance sur le français comme langue d'enseignement, par exemple. Est-ce que l'anglais est appelé à devenir une langue, je ne dirais pas marginale, mais secondaire par rapport à d'autres grandes langues de civilisation dans le siècle qui s'en vient? Vous connaissez tellement bien ces questions-là, vous. Je suis un peu embêté de vous répondre. Sauf que, oui, puis il y a d'autres personnes ici qui seraient plus compétentes que moi pour répondre à cette question. Moi, ce que j'ai observé concernant les langues, c'est comment c'est vivant, les langues. Si on avait eu cette conversation ensemble avant l'implosion de l'Union soviétique, on aurait convenu tous les deux que le russe avait un immense avenir en Europe, ce qui n'est pas vrai maintenant, parce qu'il y a eu des événements géopolitiques qui ont fait que le russe est la langue de la Russie, de la Fédération de Russie, mais plus de tous les pays qui étaient les satellites de la Russie. Si, il y a 25 ans, 30 ans, on avait dit qu'on ne peut pas être candidat à la présidence des États-Unis sans parler bien, ou d'une façon, comme dirait mon petit-fils, fake, la langue espagnole, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a 60 millions d'Américains qui sont hispanophones. Et puis, quand on est au Mexique, les gens n'arrêtent pas de te parler de ça. Toutes les chaînes américaines sont en langue espagnole pour rejoindre les Mexicains. Bon, les gens qui disent la langue, l'Amérique va peut-être devenir un pays bilingue, langue anglaise, langue espagnole. Si on nous avait dit ça il y a peu de temps, on aurait dit « oups ». Si on nous avait dit que les Chinois commencent à dire à leurs partenaires dans le monde, les contrats avec nous, c'est en chinois, pas en d'autres langues. Il n'y avait pas les moyens, les Chinois, de dire ça il y a 25 ans, il y a 30 ans. Ils peuvent dire ça maintenant. Et on va l'apprendre, les Chinois. Et on va avoir des interprètes. Et puis voilà, 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 voilà. C'est vivant. Donc, première précaution, les langues sont, c'est pas des blocs les uns à côté des autres. Il y a une espèce de fluidité extraordinaire. Puis il y a les technologies. Je sais que ce que je vais dire est très insuffisant, mais on va dire quand même, le progrès de la traduction automatique n'est pas banal.
Il est très insuffisant, mais il n'est pas banal. On va aller de plus en plus vers ça, à mon avis. Oui. Le British Council a publié, je suis sûr que vous connaissez ça, il y a 2 ou 3 ans, un ouvrage qui s'appelle « The Future of English », dans lequel il se disait très inquiet. Régression de la langue anglaise aux États-Unis, régression aux Indes, perspective, pas d'imposition, mais perspective d'une plus grande volonté par les Chinois de faire utiliser leur langue en Asie et ailleurs dans le monde. Et le British Council dit « Future of English », point d'interrogation. Alors voilà. Et puis la donne numérique aussi. Hein? Je ne crois pas que la langue anglaise va disparaître demain matin, elle va demeurer une grande langue. Elle a plein d'attraits encore. Cependant, je ne crois pas que les mouvements actuels vont la favoriser tant que ça. Je vais m'expliquer un peu. Ce qui a été le plus frustrant pour les francophones ces dernières années, c'est de voir que l'Europe est devenue anglophone, alors que la langue anglaise est parlée par aucun pays du continent. À Bruxelles, on parle anglais, point. La France n'a pas été capable de jouer le jeu solidement. On a perdu l'Europe, mais comme l'Europe est aujourd'hui moins importante et beaucoup moins importante dans les affaires du monde, il y a là quelque chose de moins grave, même si ça reste très grave. En Asie, c'est les langues asiatiques qui vont dominer, c'est sûr. La bataille va se faire, elle ne se fera pas chez nous, il n'y a pas de démographie. Elle va se faire beaucoup en Afrique, et les Africains sont de plus en plus désireux d'affirmer leur langue à eux. Leur langue à eux. J'ai eu le même sentiment en Amérique latine. Moins fort qu'en Afrique. Mais les Africains sont très désireux d'affirmer leur langue à eux. Le français et l'anglais vont devenir des langues étrangères en Afrique. Des langues étrangères en Afrique, c'est évident, par rapport à la langue arabe, qui est quand même parlée par le plus grand pays d'Afrique, qui est l'Égypte, plus le Maroc, plus la Tunisie, plus les Comores, plus la Tunisie, plus l'Algérie, plus, il m'en manque un, là, Djibouti. La langue arabe, qui est une grande langue, qui progresse énormément dans le monde en ce moment. Alors, la langue anglaise est dans un jeu qui n'est plus tout à fait le même. Mm. La richesse du monde, c'est aussi l'attachement, le moyen d'être attaché à ses cultures, aux cultures du monde, et les moyens d'être attaché à la langue maternelle que l'on parle. Et à ce moment-là, vous avez vraiment bien illustré à quel point l'impact du numérique est important à tous les niveaux. Le numérique implique la communication, implique une langue de communication. Alors, l'arrivée ou l'installation de l'ère numérique et son développement actuel vont avoir quelle incidence dans ce que vous venez de dire? Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est pour les gens qui veulent utiliser leur langue, un outil immense qu'ils n'avaient pas. D'affirmation de leur langue aux yeux du reste du monde, des autres cultures, des autres langues du monde. Les langues très, très parlées par très peu de gens peuvent se retrouver sur Internet, se retrouvent sur Internet. De fait, les œuvres produites dans cette langue aussi, ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps. J'ai un ami éditeur qui s'appelle Amadou Lamine Sall, qui est très connu à Québec, qui est le fils de Sangor, qui est un écrivain sénégalais, peut-être le plus grand écrivain en langue française. Lui, il a toujours écrit en français. Et récemment, il s'est mis à écrire en Wolof, qui est la grande langue du Sénégal, évidemment. Et pourquoi écrire en Wolof? Dit-il, parce qu'il y a la diaspora Wolof du monde qui peut me lire maintenant sur Internet, alors qu'avant, je n'avais pas accès à ça. Mm-hmm. Et deuxièmement, parce que le Wolof est sur Internet. Il y a les dictionnaires, il y a tout ce qu'il faut pour travailler dans sa langue, alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est vrai pour cette langue, c'est vrai pour les autres langues. Voilà. Diversité culturelle, hein? Un certain titre de livre. Monsieur, ici, a une question? Oui, Jocelyn Tremblay, ministère des Relations internationales du Québec. Dans moins de 24 heures, on aura le dépôt du budget ici au Québec. Et moi, j'aimerais avoir votre avis sur, au fond, tous les ministères seront appelés à faire un effort budgétaire. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'on doit absolument préserver? Qu'est-ce qui est essentiel, selon vous,
pour l'action internationale du Québec dans le nouveau monde qui est en train de se reconfigurer, comme vous l'avez si bien expliqué. Et si on en avait les moyens, qu'est-ce qu'on devrait développer? Merci. Vous voyez que je remonte le budget avant le budget. Difficile à faire, ça. C'est assez difficile de le commenter après, en plus. Écoutez, pour pouvoir vraiment bien répondre à votre question, il faudrait que j'aie accès à des connaissances que je n'ai pas. J'étais ce matin avec un groupe de députés. Je crois, était assez libre. Bon, les députés ne sont jamais libres de la ligne du parti, libres s'ils sont du gouvernement, de la ligne gouvernementale, mais qui parlait assez librement de la situation, je les cite, de la situation très difficile dans laquelle se trouverait le Québec au plan budgétaire. C'est ça que je ne maîtrise pas suffisamment pour dire est-ce qu'on a raison de démembrer ce qu'on est en train de démembrer aujourd'hui dans la politique internationale du Québec. Voilà. J'observe que si on est obligé de faire ça, si on est vraiment obligé de faire ça, on se met en difficulté par rapport à beaucoup de pays dans le monde, y compris ceux qui ont notre taille et souvent qui n'ont pas notre richesse et qui s'assurent d'avoir une présence internationale. Quand la Turquie décide d'avoir 53 ambassades dans les 53 pays africains, et le fait, et qu'au même moment, nous fermons nos ambassades en Afrique, et que la Turquie n'est pas une exception, et que nous sommes l'exception, tu te dis, est-ce que nos analyses sont les bonnes? Est-ce qu'on est rendu là en termes de pénurie des ressources publiques ou non? Est-ce que, dans les coupures, je spécule, on coupe pour arriver à un objectif qui est l'équilibre budgétaire, sans trop avoir fait les analyses de coûts-bénéfices? Qu'est-ce que rapporte une délégation générale du Québec au Mexique? Qu'est-ce que rapporte une délégation générale du Québec à Tokyo? Qu'est-ce que rapporte une délégation générale du Québec à Bruxelles? Ça rapporte les 600 entreprises québécoises qui travaillent au Mexique aujourd'hui. Un grand nombre d'entre elles sont passées par la délégation du Québec. Est-ce qu'on est rendu au point où on ne peut plus assurer ce service-là? Poser la question, c'est déjà donner quelques, pour moi en tout cas, quelques éléments de réponse. Là où je trouve aussi que le Québec, du Parti québécois ou du Parti libéral, moi je ne suis pas là dans ma tête, n'a pas réussi tout à fait une chose par rapport à l'international, c'est des analyses de la politique fédérale canadienne dans le monde et des effets sur le Québec, ou pour soutenir certains éléments de la politique fédérale, ou pour les dénoncer dans d'autres cas et demander des changements. Par exemple, l'ACDI est disparu, ou presque, sans qu'on ait entendu un mot des gouvernements du Québec sur la disparition de l'ACDI. C'est extraordinaire. L'ACDI a joué un immense rôle dans le développement des industries de l'ingénierie québécoise et dans beaucoup, 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 beaucoup de domaines. On avait une part significative dans l'ACDI. C'est parti sans qu'il y ait eu 5 minutes de réaction du gouvernement québécois. Je me fous qu'il est au gouvernement en tant qu'à moi. Là. Je trouve ça invraisemblable. Je trouve ça inimaginable. Le gouvernement du Canada débat au moment où on se parle de la présence militaire du Canada au Proche-Orient. Okay? Pas un mot. Les mêmes problèmes que vivent les partenaires du Québec dans le Commonwealth et dans la francophonie, qui sont le Cameroun, le Tchad, Centrafrique, le Gabon, la République du Congo, qui sont assaillis par Boko Haram. Zéro. Est-ce qu'on pourrait, l'Assemblée nationale du Québec, manifester de la sympathie pour des partenaires francophones à qui on a demandé de faire la démocratie, de respecter les droits, etc., 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 etc. Ils sont en grande difficulté. Qui les aide? Eh bien, les Russes et les Chinois. Et un petit peu les Français. Nous, silence radio. Moi, je trouve ça assez moche.
Merci pour votre question, monsieur. On a le temps d'une dernière question, justement. C'est ici. Moi qui ai le micro, ah, donc parfait. C'est moi qui ai la chance. Allez-y. Je m'appelle Christine Gosselin. Moi, j'ai une question. Je vous ramène vers la gouvernance, la gouverne. Vous avez une analyse de mutation de gouvernance. Vous avez parlé de responsabilités peut-être plus humanistes, des structures qui changent, qui se déplacent géographiquement. Mais la démocratie participative, vous la mettez où dans votre réflexion? Écoutez, je ne sais pas si c'était la dernière question, je serais content de pouvoir élaborer un peu parce que vous posez une vraie question. La démocratie, ce n'est pas simplement le vote. Il n'y a pas de démocratie sans vote, mais le vote n'est pas le tout de la démocratie, c'est évident. Il y a comme c'est comme une fusée à trois étages. Il y a la société civile, le fonctionnement. La démocratie, ce n'est pas simplement moi face au gouvernement, c'est moi face à mon voisin, c'est moi face à ma ville, c'est moi face à mon entreprise, etc. C'est la société civile. C'est aussi les institutions. Le président Obama a dit aux Africains, vous n'avez pas besoin d'hommes forts, vous avez besoin d'institutions fortes, soulignant l'importance d'institutions solides. Ça fait partie du jeu démocratique. Le système judiciaire est un gros bloc d'institutions qui doit être solide, qui ne doit pas être malléable par les politiques, etc., etc. Et puis, il y a l'État. Il y a ceux qui gouvernent, l'espèce de troisième étage de la fusée. Quand on dit qu'il y a trois étages, c'est bien pour se comprendre entre nous. Une fois qu'on a dit ça, ils sont indissociables, ces trois étages. La démocratie participative appartient à ça. Maintenant, la démocratie participative, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Il y a des mécanismes de consultation. S'ils sont joués correctement par l'État, les gens devraient en être satisfaits. S'ils sont manipulés par l'État, les gens vont se retrouver ailleurs, vont se retrouver hors des sentiers démocratiques convenus. Puis il y a des démagogues du côté des politiques, il y a des démagogues du côté de la société civile aussi. Comme il y a des gens responsables dans la société civile et des gens responsables dans les institutions politiques. Mais il est inconcevable qu'on puisse parler de démocratie la mise en œuvre de la démocratie, pas simplement un peu comme on a fait les structures. La mise en œuvre de la démocratie, c'est ce lien entre des institutions fortes qu'on ne peut pas modifier pour le plaisir du prince, ni pour le plaisir du prince, ni pour la rue non plus. Les institutions, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi. Il y a la vie des citoyens, etc. Tous les jours, on voit ça. Il y a des votes dans les universités ces jours-ci. C'est démocratique, c'est problématique. Je ne vais pas répondre à ça. Je ne vais pas étudier, je ne vais pas regarder ça. Il y a des coopératives où les gens n'arrêtent pas de voter non plus. Ça veut dire quoi exactement? Il y a un chef politique qui a dit récemment, ou quelqu'un qui veut le devenir, qui a dit récemment qu'il voulait qu'on travaille l'économie en assurant la participation des travailleurs aux entreprises. Il y a toutes sortes de formules qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui sont des réflexes des données démocratiques, d'une certaine façon.